Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis Arlette. Et ici, c'est Babo Cro. Pas d'injures. Si tu n'aimes pas le direct, s'il te plaît, va sur un autre direct. Si tu n'aimes pas le direct, il faut qu'il Il faut aller sur un autre direct. Pas d'injures, pas d'injures, pas d'injures. Je vous dis bonsoir, je vous salue. Je vous salue, les enfants de Babo. Partagez ma vidéo, ça va partir dans les groupes. Parce que j'ai un petit message. Comme je vous ai dit, elle est intitulée. Il y a, ça fait deux jours que il y a des gens qui ont fait des posts sur moi pour me réclamer. Déjà, ils ont parlé du discours Africa mais, chose, de Afrique média Tout le monde. Et comme ils ont le malin plaisir. Les envois de Charles Goudé, c'est de me taguer, de me caricaturer. Donc là, je vais échanger un peu avec les enfants du président Babou Laurent. Je vais vous booster un peu. Je vais vous dire que ce soir, je viens vous dire il n'y euh, a pas que Draman seul qui est aujourd'hui l'adversaire du président Babou Laurent. Mais il y a un morceau que j'aime bien. Parce que vous allez partager la vidéo. Quand on va arriver à 100 personnes et puis on va échanger aujourd'hui, je vais bien échanger avec vous. Pas d'insultes. Ma page, c'est Babo Cro. Si tu n'aimes pas, il faut passer. Si tu aimes la page, il faut rester. Si tu aimes le présent Babo Laurent, il faut rester. Pas d'injures. Parce que ce que je vais vous dire, je ne vais pas injurier quelqu'un, mais nous allons nous parler. Nous allons nous parler, nous allons nous parler en adulte. Nous allons vous parler, je vais vous rappeler le combat du président Babo Laurent. Je vais vous rappeler qui est le président Babo Laurent. Je vais vous rappeler qu'est-ce que le président Babo Laurent aspire pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous rappeler ce que c'est que l'homme, le président Babo Laurent. Pourquoi aujourd'hui, au-delà, au-delà de la Côte d'Ivoire, le président Babo Laurent. Demeure, incarne la conscience du peuple. Je vais vous parler de ça. Mais avant de mettre ça, je vais mettre euh, le morceau que j'aime. Le morceau. Quand le président Babo Laurent était parti en Italie, le morceau que les artistes ivoiriens, des artistes patriotes ont chanté pour le président Babo Laurent. Je vais mettre, je dis, s'il n'y a pas ça là, je réponds pas. Mon sujet, les gens du COGEP m'ont réclamé. Mais les gens du concept m'ont réclamé. Moi, je viens donner ma part. Pas d'insultes, pas d'injures. Ici, là, c'est Babo Cro. Je répète, hein. Merci, Sarah, de dire ça. Je répète, pas d'insultes, pas d'injures. Il est temps que les enfants du président Babo Laurent, ceux qui ont épousé le combat du président Babo Laurent, plus s'armer, puissent s'apprêter. Dis où est le bon côté. Donc, je vais mettre la musique d'abord. On va écouter ça ensemble. Parce que nous allons tous bisous. faire bisous au présent Babo Laurent. De mon vécu, je n'ai jamais vu un pays aussi ah. debout. L'ensemble du chef. Il a été attaqué En l'absence du chef oh. Il a été attaqué Face au canon Le peuple est resté sondé Aujourd'hui je sais que mon peuple a un garçon Aujourd'hui je sais que mon peuple a un garçon Je peux compter. Babo Laurent. Babo Laurent Babo. vraiment vous Oh, Babo Laurent Le cadeau hey, Le cadeau Eh, ça c'est le Babo, hein Le cacao souris Eh, ça c'est le présent Babo Laurent Village éclairé Ça c'est le Babo T'es mes paroles T'es fort, Laurent Babo Babo, hein

à tout le monde. Soyez salué, je me présente à vous, c'est Arlette. Arlette la fille d'Opa. Donc euh, ici c'est beaucoup je prête toujours le mot au camarade Steve bucco pour dire que les erreurs, les défauts, présent Babo Laurent sont pour nous une stratégie. Donc euh, je vais vous dire bonsoir, il y a l'actualité hein. Et déjà d'abord en information, peut-être que parmi vous je vous invite ce samedi-là à Zito, les femmes, off Pi, les femmes du président Babo Laurent. Je vous invite nombreusement de sortir nombreuses. Soyez nombreuses dehors, même les hommes aussi. Venez étoffer les femmes pour que l'opinion internationale sache que le président Babo Laurent a des enfants, a des filles, a des femmes, a des personnes dévouées pour lui. Parce qu'aujourd'hui, là, nous n'allons pas tourner la page. Et nous ne devons pas tourner la page. Tout ce qui se passe dans le paysage politique, les gens veulent tourner la page du président Babo Laurent. Nous n'allons pas tourner la page du président Babo Laurent. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a conté. Nous l'avons vécu. Et c'est pour cela, que je vous dis, je vais faire des vidéos pour vous booster. Et avant de vous booster aujourd'hui, là, ce n'est pas une injure. C'est pas des injures. Je vais vous expliquer. Parce que j'avais dit que j'allais faire une vidéo que les gens de COGEP me réclament. Oui, ils me réclament pour que je vienne leur expliquer la politique de la Côte d'Ivoire, le combat du président Bagbo Laurent. Je viens leur expliquer ce que le président Babo Laurent voulait pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que. Euh, Bleu Goudéchal, au côté du président Babo Laurent, depuis 2002, il n'avait pas compris le combat du président Babo Laurent. Il n'a pas perçu le combat du président Babo Laurent. Il n'a pas vu la nécessité du, du combat du président Babo Laurent. Donc, mon message là, je dis que moi, je ne réponds pas aux gens, aux racoleurs politiques. Je ne, je ne, je ne, parles, je ne réponds pas aux racoleurs politiques. Mon message, je vais me mettre derrière cette vidéo de façon polie, de façon courtoise. Je vais parler à Charles Blegoudé. Je vais lui rappeler la nécessité du combat du président Babo Laurent. Je vais lui dire qu'est-ce est que, qu que le président Babo Laurent incarne pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Babo Laurent incarne l'espoir. Le président Babo Laurent incarne la justice. Le président Babo Laurent incarne la liberté. Le président Babo Laurent incarne la démocratie. Le président Babo Laurent incarne le vivre ensemble. Et je pense que Charles Goudé n'a pas compris. Si aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique, il est président d'un parti politique et qu'il a des gens avec lui, et je pense qu'il n'a pas compris le message de Laurent. Pourquoi je vais m'adresser à Charles Goudé je vais m'adresser à Chablé Goudé parce qu'il dit que le président Babo Laurent est son référent. Un référent. Je vais lui donner la définition de ce que c'est qu'un référent. Tu vois Parce qu'un référent, là, c'est un repère. Un référent, c'est un repère dans une situation ou dans une action donnée. Ça veut dire que quand tu poses un acte ou bien quand tu, en, tu vis une situation, tu te réfères à quelqu'un. Ça veut dire que tu te dis que en celui-là, tu, tu, tu as toute ta confiance en lui. Un référent, c'est ça. Un référent, c'est celui qui te guide. Un référent, c'est celui qui te porte. Un référent, c'est celui qui t'accompagne. Un référent, c'est celui-là même qui ajuste tes imperfections. Moi, je pense que les, le, 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 le président du COGEP, qui est Charles Blegoudet, n'a pas bien défini le nom de référent à ses militants. Donc, ce soir-là, je vais venir expliquer le nom de référent à Charles Blegoudé, mais dans la courtoisie. Je vais me permettre de, le, de, de, de répondre parce que j'ai vu, j'ai attendu toute la journée. Hier, je n'ai pas parlé parce que je me suis dit que c'était une visite banale. Ces deux Ivoiriens qui se rencontraient, donc il n'y avait pas d'impact, il n'y avait rien. Mais j'ai vu le communiqué et j'ai vu un poste d'un de ses enfants, euh, Titi Hira, et en illustration, il a mis la photo de Maman Simone, euh, la photo de Soro Guillaume lors de la visite, lors de la vie, euh, lors du décès du papa Abdraman Sangaré. Il a mis ces images-là pour que nous puissions voir l'acte, le geste de Charles Blé Goudé. Mais moi, je vais venir parler à Charles Blegoudé. Et je dis que pas d'insultes. Hein. Maintenant, si vous voulez demain, je vais vous donner du travail. Vous allez faire des caricatures de mon image. Ça, c'est votre problème. Parce que c'est ce que vous savez faire. Vous n'avez rien appris. Déjà, je dis à Charles bleu que le référent, là, c'est celui, dans une situation donnée, dans une action donnée, qui t'aide, qui te copte, qui te booste, qui te donne une orientation. Parce que chez vous, là-bas, vous dites que vous avez des gens qui ont bac plus 10, bac plus 11, bac plus 13. Mais moi, là, je n'ai pas tout ça là. Mais j'ai compris. Le combat du président Babo Laurent. J'ai lu son programme. J'ai le dire. Vraiment, il y a des gens aujourd'hui, demain ils sont COGEP, demain ils sont FPI, demain ils sont PDCI. Non. Moi, je suis FPI dans l'âme. C'est-à-dire que dans le corps, dans l'ADN, parce que j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps et j'ai lu le programme du président Babo Laurent. J'ai pris mon temps. J'ai regardé le parcours du président Babo Laurent. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur-là, ça dit que de tous les politiciens africains, mais pourquoi ce grand homme-là, ce monsieur d'une dimension, ça dit qu'il avait tout. Il a, il a fait ses études, il est chercheur, il a, il a une vie. Ça veut dire qu'il peut vivre décemment. Il peut profiter de sa fonction d'enseignant pour vraiment pour, pour avoir une vie meilleure que les autres. Et pourquoi, autant d'oufoué Boigny, il n'a pas profité du système du feu Boigny pour vraiment... Pour se préparer une retraite dorée, mais il s'est focalisé sur le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Il s'est posé, il s'est dit Mon pays est un pays riche, mon pays regorge de plein de ressources. Qu'est-ce que je peux faire cest à que je vois le peuple de Côte d'Ivoire en train de souffrir et j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre et j'ai quelque chose, j'ai eu une histoire particulière avec mon peuple. Et le président Babo Laurent s'est donné ce devoir-là. Ça veut dire qu'il s'est départi, il s'est enlevé de tout. Ça dit dire qu'il n'a pas regardé aux obstacles. Il n'a pas dit que mais si on me met en prison, je vais dire c'est à cause de telle personne qu'on me met en prison. Mais il s'est départi de tout ça. Il s'est dit je consacre ma vie au peuple de Côte d'Ivoire, au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, pour lui apporter le développement qu'il veut par rapport aux ressources qu'ils ont. Et c'est ce que le président Gbagbo Laurent a fait pour nous. Ce soir... Avant de commencer mon sujet, peut-être que je vais être un peu plus long, mais je vais lire. Il y a eu deux communiqués. Les jeunes de Kojab disent que. Euh, Bléboudé dit. Bléboudé dit que le président Babo Laurent a eu la latitude de recevoir Bédier. Donc lui aussi, en tant qu'homme politique, il reçoit Soro Guillaume. Ce qui est normal. Nous tous nous aspirons à la réconciliation. Même au seuil, c'est qu'après la crise post-électorale, même nous avons cru, nous les Ivoiriens, là, nous avons cru. Nous, on s'est dit que pour une fois, Dramon va dire la vérité aux Ivoiriens. Il a instruit Conan Bani, Charles Bani, pour réconcilier les Ivoiriens. Il y a eu un comité qui s'est mis en place. C'est-à-dire que pour parcourir tous les villages, les contrées, pour qu'au sorti de là, il y ait une synthèse, pour que chaque Ivoirien, la réclamation de chaque Ivoirien, la douleur de chaque Ivoirien soit répertoriée, pour que nous nous asseyions et pour que nous nous réconcilions véritablement. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Au moment où il mettait cette machine en place, il préparait la déportation du président Babo Laurent à la haie. Et? Le président Babo Laurent, un matin, un, un mois de novembre, le président Babo Laurent a été déporté à la haie. Et ce qui a suivi, nous tous, nous le savons. Et c'est vrai que pas longtemps, le président Babo Laurent a reçu le président Henri Conan Bédier. Parce que, avant d'arriver, je vais développer, c'est-à-dire que le COGEP, Goudé, se dit, comme il a été en prison avec le président Babo Laurent, il a passé cinq ans. En prison avec le président Babo Laurent, donc lui il piétine le président Babo Laurent. Ça dit que il, il pousse à bout le président Babo Laurent, et puis en plus de ça, c'est est, ça dit que même vu même l'humiliation, même le rabais qu'il fait, ça dit qu'il veut démystifier le président Babo Laurent, mais au-delà de tout ça, il nagre les morts, il n'a des ivoiriens. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être comme lui d'être déportés à la CPI mais qui sont restés dans les prisons qui ont pourri des pieds, qui sont aujourd'hui encore en exil, qui meurent dans les camps des exilés ça veut dire que cette jeune génération qui est le COGEP nous nague, je n'aurais pas dû répondre à Charles Blé mais je réponds à Charles Blé parce que avant de recevoir euh, euh, Soro Guillaume, il nous a dit que le président Babo Laurent était son référent, et moi je me retrouve dans, dans ce qu'il dit. Parce que moi, à Zaté, je prends le président Babo Laurent comme mon référent politique. Et cela, je ne peux pas l'accepter. Il fallait que je vienne expliquer à Chablé Goudé le rôle d'un référent, l'utilité d'employer ce mot référent. Je viens expliquer à Chablé Goudé. Avant de commencer, comme les, les cogépiens ont commencé d'abord par les cogépiens ont fait un communiqué. Je vais lire le communiqué. De, du président euh, des de Cogépiens d'abord. Je vais lire le communiqué des Cogépiens. Et pour dire à Charles Blais-Goudet que nous n'accepterons pas la malhonnêteté politique et nous n'accepterons pas que des Ivoiriens qui aspirent à une vraie réconciliation, mais une réconciliation sincère avec tous les acteurs politiques, Soit embourbé dans une malhonnêteté politique. Donc, je vais d'abord lire le communiqué des, du COGEP. On dit déclaration du COGEP relative à la rencontre entre M. Charles Blegoudé, président du COGEP, et M. Soro Gibaphori Guillaume, président de GPS. Le dimanche 24 novembre 2019. Une rencontre s'est déroulée à la haie, au pays entre le ministre Charles Blegoudé, président du COGEP, et le, et le premier ministre Guillaume Gibaphoris Soro, président de GPS. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué final définissant le caractère des échanges entre les deux personnalités et acteurs majeurs de la crise qui a secoué notre pays. Depuis le 19 septembre 2002, elle intervient dans un contexte de veille électorale avec son corollaire de tension. Le COGEP porte son soutien indéfectible à son président, le ministre Charles Blegoudet, dans la quête perpétuelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Le COGEP encourage son président à ne jamais se détourner de la voie du dialogue. Du rassemblement, de la vérité, du pardon, élément indispensable à une réconciliation vraie, quel qu'en soit le prix à payer. Le COGEP CUTUS a son président à, à prendre toute forme d'initiative pour le retour définitif d'une stabilité et d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Le COGEP exhorte son président, le ministre Charles Blegoudet, à rester fidèle à l'enseignement. De son mentor politique, le président Barbot laurent père de la démocratie ivoirienne et acteur philosophe du dialogue à travers un slogan « Asseyons-nous et discutons ». Le COGEP demande à tous ses responsables et militants et tous les Ivoiriens épris de justice et de paix de continuer d'œuvrer et recoudre le tissu social par conséquent. De se détourner de toute initiative prenant la violence, la haine et la division. C'est à ce prix que notre pays retrouvera sa quiétude pour le bonheur des ivoiriens. Ça, c'est le communiqué final du COGEP. En aucun moment, ils disent que depuis la crise post-électorale, Soro Guillaume et Charles Blé se sont se sont plus revus. En aucun moment, le COGEP n'a pensé même aux victimes. En aucun moment, dans le communiqué du COGEP, le COGEP n'a même pas pensé à ces milliers de morts. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu de remords pour ces milliers de morts. Le COGEP ne s'est même pas apitoyé sur le corps. Ça veut dire que le COGEP n'a même pas eu de compassion sur les morts. Et ils prennent le président Babo Laurent comme référent. Je dirais non. Le congé ne peut pas prendre le président Babo Laurent comme référent. Je reviens à la visite qu'a eue le président Babo Laurent. Sans fafaronnade. Mais une visite dans la sobriété. Une visite dans la discrétion. Une visite pour ne pas heurter le peuple de Côte d'Ivoire. Une visite pour ne pas blesser le peuple qui a voté le président Babo Laurent. Et le peuple, il sait qu'il doit au peuple, il doit un message au peuple, il doit parler au peuple dans une sobriété totale. Une rencontre de selfie, une rencontre mais sobre, mais discrète. Et le président Babo Laurent a reçu son homologue, le président Henri Conan Bédier. Je vais vous lire le communiqué du Front Populaire Ivoirien. Je vais vous lire le communiqué du Secrétaire Général Assouadou et du Secrétaire Général Maurice Gikawe. Écoutez bien pour vous voir, pour faire la différence entre le Président Bago Laurent, qui est notre leader, qui est un maître, et les autres. J'arrive. Bruxelles finale hein, 1. Bruxelles communiqué final. Rencontre entre Son Excellence. Monsieur Henri Conan Bédier, président du pdci rdr et de Son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, président du FPI. 1. Le lundi 29 juillet 2019, de 11h à 13h, conformément à la tradition africaine, Son Excellence Monsieur le Président Bédier, président du pdci rdr accompagné de son épouse, a rendu visite à Bruxelles à son jeune frère, Son Excellence le Président Laurent Gbabo, président du FPI, son homologue, ancien président de la Côte d'Ivoire. 2. Le président Henri Conan Bédier et Laurent Gbabo se sont particulièrement réjouis de cette première rencontre depuis la fin de la crise post-électorale intervenue proclamant des résultats du second tour des élections présidentielles en novembre 2010. 3. Les deux personnalités ont tenu à exprimer Écoutez bien, les deux personnalités ont tenu à exprimer leur compassion, leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et de nombreux préjudices au cours de cette crise. 4 le président Henri Conan Bédié et, et Laurent Gbagbo ont salué la mémoire. Écoutez bien, le président Laurent Gbagbo et le président Henri Conan Bédié ont salué la mémoire de toutes les victimes et des personnes malheureusement disparues pendant ces tristes et douloureux événements qui ont meurtri la nation. Cinq, ils ont, ils ont à cette occasion exprimé leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Empathie en à la souffrance de nombreuses victimes, notamment, ceux, notamment à celles des handicapés Capé à vie, adresser leur solidarité à tous et à tous celles qui ont perdu des biens ou subi des préjudices de toute nature. Le président Henri Conner Bédier a présenté à nouveau et de vive voix à son frère, le président Babo Laurent, ses condoléances pour les nombreux deuils qui ont frappé sa famille et a notamment salué la mémoire de la mère du président. Euh, du président Laurent Gbagbo de son frère Abou Draman Sangaré et celle de tous, tous les autres cadres et militants du parti disparu 8. En retour le président Laurent Gbagbo président du Front Populaire Ivoirien a remercié le président Henri Conan Bédier pour l'expression renouvelée de ses condoléances ce faisant il a présenté à son tour au président Henri Conan Bédier et à sa famille biologique ses sincères condoléances pour le décès de sa sœur aînée tout en saluant sa mémoire. Il leur a également exprimé toute sa compassion pour chacune des disparitions des proches parents, des militants et des personnalités du PDCI. 9. Après une profonde analyse de la situation socio sociopolitique, son excellence Henri Conan Bédier, président, président, euh, son excellence Henri Conan Bédier et son excellence Monsieur... Laurent Babo, président du FPI, ont convenu de l'urgence nécessitée pour œuvrer d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire. Les deux anciens chefs d'État ont déploré les atteintes portées aux acquis démocratiques et à l'état de droit en Côte d'Ivoire. 11. En conséquence, les deux présidents ont souhaité vivement que l'harmonie de fonctionnement des partis politiques soit respectée et préservée de toute ingérence. Du pouvoir exécutif. 12. Le président Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo se sont dit particulièrement attristés, particulièrement attristés par les faits que bon nombre de patriotes demeurent contraints de vivre en exil, tandis que d'autres sont encore en prison pour des raisons politiques. Les deux présidents ont rappelé que le combat de la démocratie véritable peut tolérer qui est véritable, ne peut tolérer l'exil et l'emprisonnement politique. Les présidents Henri Conan Bédier et Laurent Babo souhaitent ardemment la libération de tous les prisonniers politiques, civils, militaires, et le retour sécurisé des exilés. 15. Le président Henri Conan Bédier et Laurent Babo ont lancé un vibrant appel à tous les partis politiques, aux associations. À toutes les organisations de la société civile, toute la communauté vivante en Côte d'Ivoire, à s'engager résolument dans la voie de la réconciliation nationale pour asseoir une paix sociale durable et définitive, facteur de développement, de prospérité et de vie harmonieuse entre les composantes de la nation ivoirienne. Dans le cadre de l'organisation d'élections justes, transparentes, équitables, les deux personnalités ont appelé le gouvernement à procéder à une réforme de la commission électorale afin qu'elle puisse contribuer significativement à la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. 17. Son Excellence euh, M. Laurent Gbagbo, très sensible à la visite en reconfort de son frère, a chaleureusement remercié son Excellence M. Henri Conan Bédier, président du PDCI et son épouse. 18, enfin, en sa qualité d'hôte, le président Babo Laurent s'est dit heureux et fier de cette visite fraternelle et la considération comme hâte fort à la fois républicaine et fraternelle qui doit être partagée, contenue par l'annonce de la réconciliation nationale. Tous les Ivoiriens et Ivoiriens et de tous ceux qui vivent dans notre cher et beau pays la Côte d'Ivoire. Fait à Bruxelles le 29 juillet 2019. Par signé par le docteur Aswa Adou, secrétaire général du Front Populaire Ivoirien, par le professeur Maurice Kakou Ghikawe, secrétaire exécutif en chef. Du PDCI-RDR-PO Ndri Kwadjo Pierre Nassis, directeur de cabinet du président Henri-Codan Bédier. Chers amis, chers enfants du président Gbagbo Laurent, nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes en quête d'une démocratie réelle qui est incarnée par quelqu'un qui est incarné par notre référent, qui s'appelle le président Babo Laurent, qui, depuis 1969, qui est rentré en politique pour que chaque Ivoirien puisse avoir un devenir réel, et puisse avoir un lendemain meilleur. Il s'agit du président Babo Laurent. Je reviens aux gens du COGEP et je tiens à leur parler. Je reviens à eux. Je vois sur la toile des gens qui comparent, Oh, mais le président Babo Laurent a reçu, mais le président Babo Laurent a reçu Henri Conan Bédier dans la sobriété. Le président Babo Laurent a reçu Henri Conan Bédier avec le respect, parce qu'il regarde, son peuple le regarde. Donc il sait que le regard de son peuple compte. Donc il a reçu Henri Conan Bédier avec respect et dignité par rapport à son peuple, par rapport à la réaction de son peuple. Et quand ils sont sortis de là, là, ils n'ont pas fait selfie pour nous donner. Hein. Ils ne nous ont pas nargué. Henri Conan Bédier a été conscient qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Et ces Ivoiriens-là, aujourd'hui, sont en exil. Et ces Ivoiriens-là, aujourd'hui, sont en prison. Donc, Henri Conan Bédier et le président Babo Laurent ont eu un respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils se sont dit qu'à un moment donné, leur chemin était opposé. Mais cela a fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Cela a décimé la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont eu un regard de compassion. Ils ont eu un regard vraiment. Je, les mots me manquent pour ce peuple-là. Je reviens aux gens de Cogep. Je parle à l'envoyé. Moi, je parle à Charles Blegoudé, parce que c'est lui qui envoie les gens je vu aujourd'hui titi ra qui met la photo de michel babo avec soro guillaume au palais qui met la photo de soro guillaume avec simone babo au funérail de abdraman Sangaré, qui parle de l'image du président babo laurent reçu en reconnaissant bédier chers enfants du président babo laurent je vous ai lu les deux communiqués quel est le communiqué qui est le plus rabaissant, qui est le plus, qui est le plus humiliant, c'est celui du COGEP. Et je vais demander aux responsables du COGEP, il parle tant de la réconciliation. Mais que sont devenus ses amis, ses compagnons? Ceux-là même qui ont appelé les Ivoiriens. Les gens me disent que oui, Chablé Goudé a fait la prison. Il y a des Ivoiriens qui sont encore en prison. Doboblé est encore en prison. Le général Vaba Fossigno est encore en prison. Il y a encore des exilés qui sont dans les... qui dans les, dans les camps qui sont là-bas. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont vu leur scolarité, mais vraiment, ils n'auront pas de vie. Ça veut dire que si, si c'est plein carrière-études, ça veut dire que leur scolarité s'est arrêtée. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'on dira de... Qu'est-ce qu'on dira d'eux Moi, je viens parler aux enfants du président Babol Laurent. C'est parce que dans leur communiqué, ils ont pris pour référent le président Babol Laurent. C'est ça, que je veux m'adresser à eux. Que cette malhonnêteté politique de la part de Blé Goudéchal, nous, les enfants du président Babol Laurent, nous qui avons le président Babol Laurent comme référent. Nous ne céderons pas de, dans ça. Nous ne rentrerons pas dans ça. Nous ne nous laisserons pas embobiner par ça. Et Charles goudet s'il veut parler de la réconciliation, j'aurais aimé qu'il commence par cette galaxie patriotique qu'il a gérée au nom du programme du président Babo Laurent. Parce que les gens nous disent, mais Charles Goudé n'est pas comptable, mais s'il si, est comptable. Des gens qui me disent non, il a laissé ses études et puis il est parti. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Il l'a fait pour la patrie, il l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est parce que la galaxie patriotique avait lu le programme de gouvernement du président Babo Laurent. Ils avaient pris la le, connaissance du programme du président Babo Laurent. Ça veut dire que tu ne peux pas aller travailler pour quelqu'un sans avoir un contrat CDD. Oui, j'ai lu le communiqué Zaratou Zara, c'est ce que j'ai lu. Même pas même une compassion. Ça veut dire que même pas même une excuse dans le communiqué. Même pas même ça veut dire que Soro Guillaume même il ne peut pas recevoir Soro Guillaume. Et puis Soro Guillaume va dire, ils vont dire dans le communiqué Soro Guillaume a reconnu qu'il a eu il a fait du temps à la côte d'Ivoire. Donc il a un regard de compassion. Mais le communiqué ça sentue si les échéances de 2020. Moi, quand je fais ma conclusion, le communiqué, quand je lis, ça dit que cette rencontre, c'est une alliance de 2020, mais même pas même un point. Ça dit que même quand il est sorti de la prison, il n'a même pas fait le bilan de la galaxie patriotique. Il ne s'est pas posé. Il ne s'est pas demandé où se trouve aujourd'hui Aldo Limpérial. Il ne s'est pas demandé où se trouve aujourd'hui AG âgé Dengra Il ne s'est même pas demandé Où se trouve Soko Soko Il ne s'est même pas demandé Où se trouve Jean-Claude Goué Il ne s'est même pas posé La question Où se trouve Serge Kassi Et bizarrement Soudainement Serge Kassi a pris retrait il ne s'est même pas posé la question. Ça veut dire que Bleu n'a pas fait le bilan. Il ne s'est même pas dit, mais la galaxie patriotique où le président Gabon Laurent, on avait lu son programme et on l'a accompagné là. Bleu n'a même pas fait ça. Il n'a pas pris le temps même de faire un bilan. Il n'a même pas pris le temps même de se réconcilier avec euh, chose, Aldo, l'impérial. Même Serge Cassi qui est là, la même. Même euh, chose. Euh, des joueurs, le joueur qui est parmi eux parce que ces gens-là ont cru au, au présent Babo Laurent Bleu goudé n'a même pas pris la peine même de faire un bilan un bilan de la galaxie patriotique même si parce que cette galaxie patriotique là elle comportait plusieurs partis politiques il y avait le pdci il y avait le FPI, il y avait le RDR, il y avait ces, tous ces jeunes là qui étaient ancrés, ça veut dire que qui avait le ça veut dire que l'agnac le nationalisme en eux, qui avait cette volonté là, qui se disait mais comment est-ce que en plein 21e siècle on peut venir nous arracher notre dignité, notre notre, notre liberté ces gens là, mais il n'a même pas pris la peine de faire un bilan, de demander où sont ces jeunes. Il n'a même pas pris la peine même d'avoir une petite compassion. Mais le président Babo Laurent, je viens vous dire que le président Babo Laurent a pris la peine, il prend la peine où il se trouve, de mesurer votre douleur, de mesurer votre souffrance, de mesurer votre amertume, de mesurer cette soif-là d'aller à la réconciliation et au pardon, mais de façon digne. Et c'est pour cela, au cours de sa visite avec Henri Conan Bédier, le président Babo Laurent l'a fait dans la sobriété. C'est pour cela, avec sa rencontre avec le président Babo Laurent, le président Babo Laurent n'a pas fait de selfie. Le président Babo Laurent s'est dit que j'ai un peuple qui me doit fidélité, qui me doit respect. Et ce peuple-là, je ne veux pas décevoir ce peuple. Autrefois... Le président Henri Conan Bédier était aux côtés de ceux-là même qui ont brimé ce peuple qui m'a donné son vote, qui m'a donné son bulletin de vote. Donc je reçois Henri Conan Bédier qui décide de venir me voir. Mais avec lui, nous allons avoir de la compassion. Nous allons préparer le peuple de Côte d'Ivoire. Il va reconnaître et nous allons venir vers le peuple vraiment. Au moment où je vais rentrer en Côte d'Ivoire, nous allons faire asseoir ce peuple-là et leur dire que nous devons aller à la réconciliation. Et pour aller à la réconciliation, c'est pour cela que le président Babo Laurent a dit, pour ne pas que nous soyons brusqués, pour ne pas que nous soyons blessés, pour ne pas que nous soyons fouettés, il a instruit ses compagnons, il a instruit son équipe, son instrument politique. De partir de village en village, de maison en maison, expliquer au peuple de Côte d'Ivoire la nécessité d'aller à la réconciliation. Et c'est ça l'objectif et le but du président Babo Laurent. Parce qu'il s'est dit, il ne faudrait pas qu'il heurte des sensibilités. Mais quand je vois des jeunes du COGEP, quand je vois Charles Blegoudé, qui dit qu'il est le référent du président Babo Laurent mais qui n'a rien de référent du président Babo Laurent, qui n'a rien appris aux côtés du président Babo Laurent, qui ne connaît même pas la valeur et la justesse du combat du président Babo Laurent, moi, il est de mon devoir de vous interpeller. De la façon dont j'ai compris le combat du président Babo Laurent, de la façon dont je me suis imprégné du combat du président Babo Laurent, il est de mon devoir de venir vous expliquer. Nous n'accepterons plus les malhonnêtes politiques. Nous n'accepterons plus des inconscients politiques. Nous n'accepterons plus des marchandeurs politiques. Et moi aujourd'hui je dis, abusez de nous moralement, abusez de nous politiquement, et abusez de nous financièrement, et abusez de nous parce que nous avons cru à un homme qui s'appelle le président Babo Laurent qui avait une histoire véritable pour le peuple de Côte d'Ivoire, et Blegoudé s'est servi de son combat, s'est servi du combat du président Gbagbo Laurent, pour, pour faire aujourd'hui de ce combat-là de la délation. C'est pour ça que je vais m'adresser à vous. Ceux, jeunesse de Côte d'Ivoire, maman de Côte d'Ivoire, papa de Côte d'Ivoire, ceux-là même qui avaient, vous qui avez battu le pavé pour le président Gbagbo Laurent, aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent, un tournant décisif de son combat. Vous avez fait la majeure partie du combat du président Babo Laurent. Vous l'avez soutenu quand il était en prison. Vous avez battu le pavé quand il était en prison. Et aujourd'hui, le président Babo Laurent compte sur vous. C'est pour cela, pour ne pas vous blesser, il n'a pas eu d'image. Pour ne pas vous blesser, il n'a pas fait de selfie. Pour ne pas vous naguer, ça veut dire que des gens que vous n'avez pas vus ont réveillé la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui ont véhiculé le message du président Babo Laurent et qui ont disparu. Tout d'un seul coup, vous voyez apparaître dans les selfies, dans les vidéos de Charles Blegoudet, vous voyez apparaître eh, chose, eh, Richard Dakoury. Mais quand vous étiez là, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, ivoirien de la diaspora. Vous qui avez épousé le combat du président Babo Laurent, au moment où vous avez besoin des leaders, ceux-là même qui étaient sur le terrain, comme Richard Dakouri, pour vous parler du combat du président Babo Laurent, pour vous expliquer le combat du président Babo Laurent, pour vous expliquer la justesse du combat du président Babo Laurent, ils étaient où? Richard Dakuri était où? Ces jeunes-là que vous revoyez maintenant avec des vestes. Serré, serré, en train de rabaisser le président Babo Laurent. Quand tu dis que quelqu'un est ton papa et quelqu'un est ton référent, tu ne le défies pas. Soro Guillaume même a dit, il a dit que Babo Laurent refuse de le recevoir. Je vois y a des gens depuis hier qui m'appellent, Arlette. Euh, Charles goudé a fait cinq ans en prison avec le président Babo Laurent. Donc, euh, donc là, là, peut-être que c'est lui qui l'a. Soit pour dire que Babo Laurent ne veut pas le recevoir. Donc, ce n'est pas Babo Laurent qui va dire à Charles Blais-Goudé, il faut partir. Jeune de Côte d'Ivoire. Femme de Côte d'Ivoire, homme de Côte d'Ivoire. Vous avez suivi le président Babo Laurent parce qu'il était dépouillé. Ça dire qu'il avait un problème avec l'enrichissement abusif. Vous avez accepté le président Babo Laurent parce que vous avez connu son train de vie. Vous avez vu son enduit. En la politique, vous avez vu sa persévérance en la politique, vous avez vu ce qu'il a fait pour nous. C'est à cause de ça que vous avez suivi le président Babo Laurent parce que il n'a eu de proximité avec l'argent, il n'a pas eu de proximité avec la roubladise, il n'a pas eu de proximité avec les âmes. C'est pour cela, au début de ma vidéo, je vous ai mis cette musique là. C'est lui. Il était en Italie quand ça s'est passé. Il est rentré comme un homme. Il est rentré comme un grand. La prison ne peut pas permettre à Charles Blé Goudé de démystifier notre mentor, notre chef, notre leader, notre guide. Sa proximité avec lui dans la prison ne peut pas permettre à Charles Blé Goudé de défier le président bagbo Laurent politiquement. Non. Et quand on parle. Des gens qui disent non, c'est parce que non. Que Charles Blé Goudé aille se réconcilier avec l'impérial, que Charles Blé Goudé se réconcilie même avec Serge Cassie qui se trouve ici. Serge Cassie, qui était un des parrains, qui était le premier artiste qui s'affirmait au côté du présent Babo Laurent. Que Charles Blé Goudé pas se réconcilier avec lui. Que Charles Bleu parte se réconcilier. Je veux dire à cette jeunesse-là, le président Babo Laurent a commencé la politique en 1969. Et c'est en 1990. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Qu'il aille se réconcilier avec Serge Cassie. Qu'il aille se réconcilier avec Jean-Claude Goué. Qu'il aille se réconcilier avec Soko Soko. Ces jeunes-là, ces milliers de personnes. Je viens vous parler. J'ai dit qu'il n'y aura plus d'injures sur ma vidéo. Je viendrai vous faire les bienfaits. Regardez le communiqué du président Babo Laurent quand il a reçu le président Henri Conan Bédier. Il a eu une sobriété pour vous. Il a eu une intimité pour vous. Il a eu un respect pour vous. Il n'a pas voulu vous brusquer. C'est pour cela qu'il a demandé à tout le temps d'aller dans vos maisons de vous parler de la réconciliation elle sera peut-être due mais cette réconciliation il faut qu'on aille à la réconciliation mais cette fois-ci elle sera une réconciliation véritable mais elle ne sera pas une réconciliation de politiciens malhonnêtes elle ne sera pas une réconciliation de politiciens manipulateurs mais elle sera une réconciliation du fondement de la vraie démocratie et du fruit du combat du président Babo Laurent et de ses amis. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Moi, les injures, là, je vous ai dit qu'on a passé l'étape des injures. On a passé l'étape des arrogances. Mais on vient vous parler. Charles Blegoudet n'a plus pour référent le président Babo Laurent. Charles Blé Goudé utilise votre amour pour le président Babo Laurent. Charles Bleu Goudé utilise votre beauté. Ça, ça veut dire que, de la façon dont vous êtes prêt pour accompagner le président Babo Laurent, Charles Blé Goudé utilise cet amour fou pour le président Babo Laurent. Non. Ne vous laissez pas emporter. Regardez le général Doboblé en prison. Regardez le général Vaba Fossignon en prison. Vous voyez nos frères qui dorment dans des camps. Vous voyez nos frères qui sont au Ghana. Vous voyez nos frères qui sont au Libéria. Vous voyez nos frères qui sont au Togo. Vous voyez nos frères qui sont au Bénin dans les camps. Mais ceux-là, ils diront quoi? Ils ont payé le prix cher pour le président Babo Laurent. Pour ne serait-ce que pour le combat du président Babo Laurent. Et ils continuent de payer ce prix cher-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ils continuent de payer ce prix cher. Vous voulez que. Vous voulez qu'on lègue quoi à nos enfants Vous voulez qu'on lègue des politiciens qui fonctionnent par rapport aux caisses de l'État, par rapport à l'argent qu'on leur donne pour faire leur politique Ou bien vous voulez que nous fonctionnons avec quelqu'un qui a un lendemain meilleur C'est-à-dire qui vient vous apporter le devenir, qui vient te donner un travail, qui vient restaurer ta dignité. C'est ça le président Bagbo Laurent. Et c'est de lui que je vous parle. Et c'est pour cela que je suis venu vous donner la définition de référent. Un référent, c'est quelqu'un à qui tu te, refais, tu te repères. C'est ton repère. Un référent, c'est ton repère. Un référent, c'est ton repère. Un référent, c'est ton repère. Et Babou Laurent ne peut pas nous trahir. Il y a des gens qui disent, oui babo Laurent n'a pas dit ça à Charles Blegoudé. Le Front Populaire Ivoirien est là. Le docteur Assoadou est là. Le FPI est organisé par des VP, par, des, par, des, par un secrétariat général, par des SN. Si le président babo Laurent a un message à donner au peuple de Côte d'Ivoire, il le donnera à travers son outil politique est le Front Populaire Ivoirien. Si le président Gbagbo Laurent a un message à vous donner, le président Gbagbo Laurent le donnera par son secrétaire général. Si le président Gbagbo Laurent a un message à vous donner, le président Gbagbo Laurent le donnera par quoi, Justin, qui est le porte-parole du parti Ce combat que nous menons n'est pas un intérêt individuel. Ce combat que nous menons là, ce n'est pas un intérêt individuel. C'est l'intérêt de tout un peuple. C'est l'intérêt de toute une nation. Parce qu'il s'agit de terre, parce qu'il s'agit d'identité, parce qu'il s'agit d'honneur, c'est de ça. C'est ça. C'est pour ça que le président Babo Laurent est pris en étage. Et c'est ça qui est la vérité. Quelqu'un dans son discours avec Ivoire chose, Afrique Média, qui vous dit: si jamais le président Babo Laurent est candidat, oui, je ne serai pas devant le. Le coup, je, 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 je ne veux pas être candidat, mais ça veut dire que si ce n'est pas le président Babo Laurent, puisque c'est un parti politique, si le président Babo Laurent choisit un autre adversaire, ça veut dire que. Donc, Bleu Goudet automatiquement devient un adversaire pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants du président Babo Laurent. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y voir le communiqué que le projet pas sorti pour vous. Pour ces multitudes de personnes qui sont mortes. Ils n'ont même pas eu une compassion. Soro Guillaume est venu nous naguer. Soro Guillaume n'a pas demandé pardon. Soro Guillaume ne s'est même pas soucié des jeunes patriotes qui se sont battus pour leur nation. Soro Guillaume n'a même pas eu de remords pour cette Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, qu pense que. Est mal géré. Soro ne nous a même pas encore fait le bilan de sa rébellion. Pourquoi subitement le port des boubous et aujourd'hui en quoi il se refait pour dire que lui, Soro Guillaume, il peut être un modèle pour nous Il ne nous a pas encore dit ça. Mais la rencontre du président Babo Laurent avec le président Henri Conan Bédier est une rencontre de remise en cause. Était une rencontre de conscience, de prendre conscience. Une rencontre où les deux hommes d'État ont pris conscience de la dangerosité. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience de cette politique qui n'est pas une politique de paix en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc on ne peut pas comparer la visite du président Babo Laurent à celle de Charles Blegoudé. Je vous invite. Allez-y sur la page du Front Populaire Ivoirien, c'est mi Front Populaire Ivoirien Babo. Allez-y et imprégnez-vous du communiqué du président Babo Laurent. Vous pouvez le président Babo Laurent, est un homme, un homme qui pense à son peuple, un homme aujourd'hui qui s'est dit, ce n'est pas ce que je voulais pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je voulais quelque chose de bon pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je voulais quelque chose de bien pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça. Moi, ce que je résume du combat du président, euh, cha, euh, du président Babo Laurent, c'est que le président Babo Laurent a besoin de nous. Et je me dis, et je l'assume, que Charles Goudé n'a pas lu le programme du président Babo Laurent. Et Charles Goudé n'a pas entendu vos cris de cœur. Charles Goudé n'a pas entendu vos pleurs. Charles Goudet n'a pas mesuré l'importance de ce combat. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, ne vous trompez pas. La politique, ce n'est pas une fonction. La politique, c'est n'est pas conviction. La politique, c'est pour apporter un bien-être. La politique, c'est pour améliorer les conditions de vie. La politique, c'est d'éviter d'avoir son peuple aller dormir au cimetière. La politique, c'est d'éviter que les empailleurs envahissent nos, nos terres. La politique, c'est d'éviter que les microbes tuent les gens. Même quand tu sors à 5 h du matin pour aller à l'école. Comme cette jeune fille qui partait à l'école, qui était à fleur de l'âge, puis préparait un BTS, qui était un avenir pour son enfant. C'est ça, c'est cette politique-là que le président Babo Laurent veut. Mais c'est que, en cette période-là, le président Babo Laurent a eu des gens qui n'aimaient pas la... Mais des gens qui ont trouvé un moyen de vous escroquer moralement, de vous escroquer financièrement, de vous manipuler, de travestir le combat du président Babo Laurent. Mais nous, nous nous donnerons le devoir de vous expliquer ce que c'est que le combat du président Babo Laurent. De vous dire que le président Babo Laurent... Regardez ce qu'il a fait, sa rencontre. Elle a sorti, c'est-à-dire que le communauté qu'il a sorti au cours de la rencontre qu'on a ce que le président Babo Laurent compte pour vous, compte faire pour vous, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans une compétition. Nous ne sommes pas là pour voir qui reçoit qui, qui ne reçoit pas qui. Et moi, je vais dire au ministre Charles que qu'il désobéisse au président Babo Laurent. Il est libre. Il est président d'un parti politique. Et puis, vous voyez quelqu'un qui n'assume même pas son autonomie politique, qui se sert du nom de Babo Laurent, qui se sert de sa proximité autrefois avec le président Babo Laurent pour induire les enfants du président Babo Laurent dans une vraie démocratie et dans un vrai combat. C'est de ça que je parle. Et c'est ce que je tenais à vous dire. Je dis à Charles Blegoudé qu'il y a de ses amis, ses compagnons d'autrefois. Adol Impérial, Adengra, Soko Soko, Jean-Claude Koué, toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus Et aujourd'hui même, au lieu d'aller se réconcilier avec Soro Guillaume et de nager euh, Serge Cassi, qui est tout près, qui était le parrain du COGEP, au lieu d'aller nager euh, Serge Cassi et qu'il appelle Serge Cassi, et qu'il règle son contentieux avec Serge Kassi. Parce que Serge Kassi est resté dans la même position. Il est toujours là pour le président Babo Laurent. La vraie réconciliation, elle commence par là. Quand on leur demande, ils disent Mais le Front Populaire Ivoirien n'a qu'à aller se réconcilier avec Afi. Mais Charles Blegoudé, tu avais plein de leaders avec toi, la galaxie patriotique. Quand tu es sorti de la prison, là, tu as fait le bilan, tu as fait le point, tu n'as rien fait. Là, là, tous ceux qui ont écouté ma vidéo, là, il n'y a pas eu d'injure dedans. Mais je suis venu vous parler. Et je dis, et je redis, nous n'allons plus accepter les opportunistes. Parce que nous voulons suivre le président Babo Laurent pour qu'il nous lègue un héritage. Un héritage. Un héritage où le Nord, le Sud, l'Ouest, le Centre pourront vivre ensemble en harmonie et en paix. Et cet héritage-là, c'est l'arrivée du président Babo Laurent qui pourra venir apaiser notre cœur et nous pourrons nous réconcilier. Sinon, la réconciliation est une évidence pour nous. Et une évidence. Et peut-être qu'il arrivera un moment même, nous allons nous réconcilier avec Soro Guillaume. Mais cette, récon... cette réconciliation-là, elle doit être dépouée. C'est pour cela nous suivons la procédure du président Babo Laurent pour ne pas choquer le peuple. Pour ne pas que le peuple se sente blessé. Pour ne pas que le peuple se sente humilié, nous acceptons cette procédure du président Babo Laurent de faire du porte-à-porte -porte pour préparer l'esprit des Ivoiriens à cette réconciliation, qui est une vraie réconciliation, une réconciliation basée sur du vrai, une réconciliation pas basée sur du marketing politique, mais une réconciliation où nos enfants et nos arrière petits enfants pourront vivre dans une Côte d'Ivoire de paix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, jeunes de COGEP. Quand vous faites votre communiqué là, enlevez le nom du président Babo Laurent dedans. Parce que nous sommes des milliers qui avons pour référent le président Babo Laurent. Et nous savons ce que c'est qu'un référent. Un référent, on ne le désobéit pas. Un référent, on ne l'humilie pas. Un référent, on ne le critique pas. Un référent, on ne fait pas de l'intoxication sur son parti politique, ni dans les inbox. Pour terminer là, il y avait quelques temps, il y a pratiquement deux ans, où on nous chantait sur tous les toits que le président Babo Laurent allait les recevoir. Et, et Soro Guillaume, ça n'a pas été le cas. Avant de vous préparer pour vous-même recevoir, vous nous avez fait croire que Soro Guillaume était aux portes de Bruxelles et qu'il avait une rencontre éminente éminente avec le président Babo Laurent. Qu'est-ce qui n'a pas valu Des injures au président Babo Laurent, des injures à ses compagnons, des injures à ses collaborateurs. Vous êtes rentré dans la vie privée du président Babo Laurent parce que simplement les rumeurs d'intoxication que vous avez fait passer dans les, dans les Facebook, par vos amis, racoler d'informations à information. Nous, tout le monde s'est déversé du venin sur la, euh, le président Babo Laurent. Il y a des gens qui ont fait des multitudes de vidéos. C'est-à-dire qu'en salissant le président Babo Laurent, en rentrant dans la vie privée du président Babo Laurent. Et aujourd'hui, au chu et à la barbe de tout le monde, sans compassion, sans remords, je pensais qu'au sorti de cette rencontre, Soro Guillaume même allait faire un miracle pas. Il allait se mettre pour dire Vraiment, mon frère, je veux te voir, nous avons fauté. Nous avons été une jeunesse, nous n'avons pas mesuré l'ampleur de ce que nous avons fait, des actions que nous avons eu à faire, des actes que nous avons posés. Nous avons déchiré notre nation. En tant que jeunes, nous devons la remettre ensemble, mais avec une sobriété totale. Avec un respect total pour ceux qui regardent, avec un respect total pour ceux qui souffrent. Non, ça n'a pas été le cas. Donc, si vous ne voulez pas que moi je parle de vous, arrêtez de prendre le président Babo Laurent comme votre référent. Parce que nous, notre référent là, c'est le président Babo Laurent, un homme digne, un homme de valeur, un homme que nous n'allons jamais le contrarier, un homme. Que nous n'allons pas le défier. Parce que nous n'avons pas à défier le président Babo Laurent. Parce que ce qu'il a fait pour nous, là nous ne pourrons pas lui rendre ça. La seule chose que nous pourrons rendre au président Babo Laurent, c'est d'être debout jusqu'à ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Et qu'il prenne une retraite honorable et décente. C'est ça. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc, essaye vraiment de faire euh, une prise de conscience, Charles Blegoudé. Essaye de faire une prise de conscience. Essaye de retrouver tes amis de la galaxie patriotique, de leur demander. Essaye de nous narguer. Le trio se remet en place. Soudainement, soudainement, Richard Dakuri qui est en France, qui est en France, il apparaît soudainement. On avait besoin de Richard Dakuri de parler du président Babo Laurent. Et les gens passent dans les in-boss. Vous savez ce qu'ils se sont dit Vous savez ce qu'ils se sont dit Mais un enfant, vous savez, Babo Laurent n'a rien dit à Charles Goudé. Charles Goudé même là. Ça veut dire que la, cette malhonnêteté politique et cette manipulation-là, nous, nous ne pouvons pas l'accepter. Charles -Goudet sait c'est qu'en âme et conscience, depuis le 1er euh, février, il n'est plus en contact. Même ses collaborateurs proches le savent. Et c'est quelle histoire de nous dire que oui, euh, Charles Blegoudet et ce Babo Laurent. Bagot Laurent n'a pas dit quelque chose à Charles Blegoudet. Bagot Laurent ne peut pas dire que lui n'est pas prêt pour recevoir Guillaume. Et Bagot Laurent va dire à, à Charles Blegoudet va recevoir ce mais C'est incongru. C'est ce foot même. De ses militants. C'est ne même pas respecter ses camarades même du parti. Donc, cher peuple de Côte d'Ivoire, cher jeune Ivoirien, c'est ce que je suis venu vous dire. Et il n'y a pas de comparaison. Le président Babo Laurent a fait dans la sobriété. Il a pensé, il a écouté vos dits, il a mesuré vos souffrances et puis il l'a fait. Donc, euh, cette paix-là, nous allons aller à cette paix mais dans la dignité, dans le respect et dans le vrai, mais pas une paix monnayée ou des jeunes pensait que en s'enrichissant sur les, le combat du président Babo Laurent, pourrait nous détourner de toutes ces choses-là. Donc c'était mon message de ce soir pour vous dire que restez, restez, restez vraiment à l'écoute du président Babo Laurent, restez à l'écoute de ses compagnons. Restez à l'écoute parce que le président Babo Laurent est un homme de valeur, un homme de parole. Donc, c'est le message de ce soir que je voulais vous dire. En politique, on ne ruse pas. On ne ruse pas en politique. Regardez le communiqué du COGEP. Le communiqué du COGEP, il est déshonorant. Le communiqué du COGEP, il est insultant. Le communiqué du COGEP, il est, il est, il est dégradant. Pourquoi avoir fait tout ça, avoir donné des informations de désintoxication, insulter le président Babo Laurent Je me rappelle une fois euh, le, le jeune frère, mon petit frère, même si je ne parle pas avec lui, les gens sont levés ici sur la toile il y a deux ans de cela. Ils ont dit oui, ils veulent faire une marche, ils veulent associer le RH et Guillaume, mais ça fait un tollé. C'est de là que est parti mes problèmes. Avec euh, mon petit frère Steve Biko, il y a des gens qui se sont levés. Les mêmes personnes aujourd'hui qui argumentent, qui donnent trop d'excuses à, à, à la visite de Soro Guillaume, se sont levés ici. Ils ont dit non. Je connais des gens qui m'appellent, mignonnette, on ne veut pas, il faut parler. Nous, on a fait des vidéos ici. On dit, on ne veut pas. Jusqu'à le jeune frère Steve Biko me dit, hey, ma grand-soeur, il faut m'appeler, tu as parlé Je dit non. Les mêmes personnes que vous voyez là, je ne vais même pas citer le nom de un pour laisser l'autre. Toutes ces personnes que vous voyez là, tout le groupe là, qui sont eux tous qui sont en train de faire vidéo de soutien en blague ou de là. Toutes ces personnes là, ont fait palabre sur la toile ici. Ils ont insulté. Et toutes ces personnes, elles étaient à la marche. C'est quoi annuler sa marche Malgré ça, à la fin, quand on est arrivé... À la télévision là-bas, là, euh, c'était vers, euh, vers chez moi ici. Stéphane Kipré même est venu nous trouver là. Mais ça n'a pas changé. C'est la même formule là, vous êtes en train de faire là. C'est la même formule. Vous, vous acceptez. Encore ceux-mêmes qui faisaient vidéo même pour insulter même là. Justement, ils ont insulté Stéphane Kipré, ils se sont parlé là. Ceux-là même là. Chaque fin du mois même, ils partaient faire à la cadière la main à Stéphane Kipré. Et ce sont ces mêmes aujourd'hui-là. Ce sont ces mêmes aujourd'hui-là. Nous, nous ne voulons pas de promotion. Nous, nous ne voulons pas de poste. Moi, personnellement, je ne veux pas de promotion, je ne veux pas de poste. Je veux le retour du président Babo Laurent pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je veux le retour du président Babo Laurent parce qu'il incarne la paix réelle. Parce que le président Babo Laurent n'a pas pris des âmes. Donc, je vais vous laisser. Je vais, je vais vous mettre euh, le morceau fétiche. Vicky, Vicky, pardon, mets ton code là, je vais mettre toi. le morceau là pour terminer, s'il te plaît. Donc. Euh... Vraiment, je vous dis merci. J'espère que vous avez partagé ma vidéo dans les groupes. J'espère que vous avez entendu le message. Partagez ma vidéo dans les groupes pour que vous soyez sensibilisés. Et je dis que ce samedi-là, ce samedi-là, euh, ce samedi-là, euh, le FPI, les femmes du président Laurent sont là. Et en plus de ça, il y a 109... Euh, responsables du parti, les VP, les SGA, les SN, qui parcourent les villes pour aller vous transmettre le, le message du président Babo Laurent pour la réconciliation, pour vous préparer. Et quand le président Babo Laurent viendra, il aura un, une vraie réconciliation. Mais le président Babo Laurent a envoyé ces personnes-là pour aller vous transmettre qu'il faille qu'on parte à la réconciliation. Mais une réconciliation, il n'aura plus des armes où il n'y aura plus de microbes. Une réconciliation où l'ivoirien sera pas chassé de sa terre. Une réconciliation où tu peux vivre avec ton frère du nord, du sud, de l'ouest, de façon harmonieuse. C'est de ça le président Babo Laurent. Et le président Babo Laurent n'est pas une option. C'est lui, c'est lui le candidat. Parce que le président Babo Laurent incarne des valeurs, des valeurs d'hommes honnêtes, des valeurs d'hommes endurants, les valeurs d'hommes justes. Nous ne pourrons pas et nous n'avons pas le devoir d'oublier le président Babo Laurent. Et aujourd'hui, ça dit qu'en plus des adversaires du président Babo Laurent, c'est ceux d'autrefois. Et je vous dis que le président Babo Laurent doit demeurer dans notre conscience. Le président Babo Laurent doit demeurer dans notre conscience. Le président Babo Laurent doit habiter notre conscience, comme le dit mon président Willy Bla. C'est ça qui est la vérité. Donc. Écoutez, bisous pour vous laisser. Je n'ai jamais vu. Que Dieu nous garde. Restons en éveil. Le présent Babo Laurent a besoin de nous et il compte sur nous. Donc soyons en éveil et vigilants. Que Dieu vous garde. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.